Bonjour, donc là on va voir notre expérience, expérience de Faraday. Donc on va considérer un certain condensateur plan, ok, donc, et on va charger ce condensateur. Donc on va le connecter à une source de tension continue, par exemple V0, comme ça, qu'on va appeler V0 tout simplement, ok. Et il va se charger. Donc, ici, on a la borne plus. Et ici, donc la borne positive ici, et ici, la borne négative. Donc, ici, on va voir cette armature, elle va se charger négativement. Et cette armature, elle va se charger positivement. Donc, je vais quand même rappeler des choses très importantes à savoir la capacité d'un condensateur, la charge d'un condensateur. Donc ici, cette situation, c'est tout simplement cela. Notre circuit, il est comme ça, donc on a un condensateur. Et ici, on a notre source V0. OK Donc c'est la même chose. Donc il faut se rappeler, donc ça ce sont des choses très basiques que la capacité d'un condensateur plan elle est égale donc pour savoir la capacité d'un condensateur plan il suffit juste de savoir d'abord que notre condensateur il a une donc l'une des armatures elle a une surface S et entre les, les deux armatures, on a une certaine distance D. Donc on a la situation suivante surface S, OK, et on a ici une distance D. Eh bien, au fur et à mesure que la surface de notre condensateur augmente, et eh bien la capacité augmente. Donc la capacité elle est proportionnelle à la surface S. Donc il faut ajouter ici S. Et au fur et à mesure qu'on fait éloigner les deux armatures, et eh bien la capacité elle diminue. Parce qu'on augmente la distance. Donc on divise par D. Et là cette capacité dépend aussi du milieu. Donc ici on est dans le vide, on a epsilon 0, elle est exactement proportionnelle à epsilon 0. Donc c'est l'une des façons d'un de, petit peu de retenir l'expression de la capacité d'un condensateur plan. Donc on va dire que ça c'est C0 pour dire qu'on est dans le vide. Donc ça c'est l'expression de la capacité et on a aussi l'expression de la charge Q. Eh bien, la charge Q, elle est proportionnelle à la capacité et à la différence de potentiel appliquée. On, ap on va appeler cette, cette charge Q0, Q0 égale à C0 multiplié par V0. Donc, dans ce cas de figure, on a cela. On a notre capacité égale, et notre charge égale. Et eh bien après, qu'est-ce qu'on va faire Et eh bien après, on va ajouter notre diélectrique. On a dit bien qu'un diélectrique est tout simplement un isolant, par exemple du carton, du plastique, etc. Et eh bien, désolé, mais avant d'ajouter notre diélectrique, on va supprimer notre générateur et on va isoler ce condensateur. Quand on va dire qu'on va isoler, ce n'est pas vraiment laisser le condensateur tout seul et partir, mais c'est juste l'isoler, l'éloigner de, de toute source de courant et de champ électrique et de, de toute source de charge, OK Parce que si vous laissez votre condensateur près d'une grande source, et eh bien, cette source va l'influencer, bien entendu. Donc on va relativement bon, l'isoler. Okay. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va supprimer notre générateur de tension et on va ajouter un voltmètre ici. Donc le voltmètre, il le bon, il n'influence pas, bon, pas parce qu'il il possède une très très grande résistance. Bien sûr, il va influencer un tout petit peu, mais c'est négligeable, c'est très très négligeable. Mais on va dire avec une, une bonne approximation qu'il n'influence pas, parce qu'il a une très très grande résistance. Donc ici on a notre condensateur, il est toujours chargé. Et là, qu'est-ce qu'on fait C'est ça l'intéressant, on va introduire notre diélectrique. Quand on introduit notre diélectrique, eh bien, il se passe la chose suivante. Eh bien, on lit ici, dans le voltmètre, une valeur qui est plus petite que la valeur V0, c'est-à-dire que la tension a diminué. Donc, on va lire ici une différence de potentiel d'état qu'on va écrire qu'elle est égale à V qui est inférieure à cette différence de potentiel qui est inférieure à cette tension. et bien, du fait que le champ électrique, on va dire le module de E, il est proportionnel à la tension, et bien, le champ électrique aussi, il diminue. Ici, la charge, elle est toujours constante. On va tout simplement exploiter le fait qu'on a toujours la charge Q0 parce qu'on vient de dire qu'on isole notre condensateur, donc on a toujours cette charge Q0. Donc qu'est-ce qu'on va dire On va exploiter le fait que Q0, elle est toujours égale à Q0. Mais par contre, le V, il change. Donc on va écrire que Q0, elle est égale à C0 multiplié fois V0. Elle est égale. Donc si on veut exprimer cette charge qui n'a pas changé en fonction de, ce, de cette nouvelle tension, donc je vais faire une faute, je vais écrire C0 fois V. Ça, c'est une faute parce que du fait que cette tension est là diminuée et on a bien la charge q elle reste constante et eh bien forcément on doit avoir une autre valeur de la capacité et eh bien pour que cette équation pour cette égalité soit vraie il faut que la capacité augmente c'est-à-dire Ici, la capacité, elle doit augmenter. Donc, on va écrire cette capacité C. Donc, Q0 ici égale à C multiplié par V. On constate donc la capacité. Donc, on va dire que après ajout du duel électrique, la capacité de, du condensateur augmente. Donc, ici, on voit bien que c'est égal à V0 sur V multiplié par C0. Eh bien, ce V0 sur V, bon, on va l'appeler une certaine constante qui est supérieur à 1 parce que V il est inférieur à V0 multiplié par C0. Après on va voir ce que représente cette constante. Donc c'est ça la nouvelle capacité. Donc on voit bien là l'un des intérêts à ajouter des diélectriques. Donc c'est très intéressant parce que la capacité de notre condensateur, elle augmente. Donc c'est tout pour cette partie, merci pour votre attention.